Bienvenue à l'Opéra de Lyon. Je vous montrerai la fosse après. Alors, cette session un peu particulière, mais ça ne sera pas exactement comme un karaoké, on va se servir des surtitrages qui sont en haut et sur les côtés. On vous diffusera les paroles. Alors, s'il y a un peu de yaourt, pas vraiment français, pas vraiment italien, un peu entre les deux, c'est pas grave. Okay. L'important, c'est que vous chantiez, vous preniez plaisir à chanter, que vous participiez avec nous tous cette grande expérience un peu festive, tout ça avec Bénédicte Kearns qui est notre chef de chœur. Alors, qui sera aujourd'hui aussi dans la fosse et qui dirigera l'orchestre. Et aussi avec Nicolas Parisot qui lui va être vraiment celui qui va vous torturer en fait. Chef de chœur de la maîtrise. En tout cas, on est ravis de vous retrouver. Je vais vous laisser entre les mains de ce duo de choc et de charme, les célèbres duettistes, les gentlemen chanteurs. Et profitez bien, amusez-vous bien, et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci donc pour cette grande audition de recrutement pour les artistes du chœur. On va du coup chanter ensemble des grands chœurs d'opéra connus pour le chanter, pour que vous puissiez le chanter avec notre orchestre, avec notre chœur. Avant de chanter, on va préparer notre corps, notre voix, s'échauffer, se mettre en corps et se mettre en voix. Alors la séance de torture va commencer. Je vais vous demander du coup de vous mettre debout. Et donc là, tout le monde se lève. Et nous prenons ce petit temps pour retrouver un petit peu d'énergie, l'énergie que vous allez tous donner au public ici présent, avec les artistes du cœur que vous êtes, pour leur chanter des airs fabuleux. On plie un petit peu les genoux, on plie un petit peu, on écarte les pieds, on se sent actif. Voilà, on va faire ça pendant trois quarts d'heure. On prend les mains de manière active. Active, 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 on se réchauffe, parce qu'il fait un peu froid.
économie d'énergie de l'église. C'est vraiment la célibat des genres. Vers le haut. Et vers le bas. Et au moment vers le haut. Et devant. Même chose avec les plus grands sourires. Et on vient placer ses mains sur le visage. Prendre un moment de détente. Diffuser la chaleur que le nez de trouver entre les mains en se massant. Les yeux, les pommettes, le visage, la nuque, tous ces muscles extrêmement importants que l'on va solliciter dans le champ. On peut même mâcher un petit peu, un bon petit goûter. Avec le son de délectation. Et même en haut aussi, hein, bien sûr. Le bar, le restaurant des mules, c'est bon. C'est pas cher. C'est bio. Enfin, pour le chant, ce qui est très important, c'est la posture. Quand on est sur une scène d'opéra, on a la classe. Montrez-nous comme vous avez la classe. Comme vous êtes beau, belle, grand, avec un grand sourire. On peut faire un très beau son. Super, n'oubliez pas l'adjectif très important, beau. Pour avoir ce son, on va utiliser notre cage thoracique. Vous savez que le chant est un instrument avant. On a besoin d'air pour donner notre son. Alors on va réveiller un petit peu nos abdos. Notre cage thoracique. Avec les mises en scène là. Alors, on est en Espagne et dans l'air il y a l'odeur du sang, du sangria, des Espagnols, de tout. Et le rythme, on va entendre dans l'orchestre joue le rythme espagnol. Et après, il s'agit de toro, pas le vache. C'est pour manger, mais le toro, pour battre. Et là, dans l'orchestre, on va entendre le G du son. Là, c'est le G du son du toro. Et là, c'est l'espagnol. Voilà, c'est parti. On n'a pas besoin de le chef d'orchestre. On fait tout seul.
Mais par contre, il faut que je fasse quelque chose. Donc je descends à force et vous allez faire travailler avec Nicolas. Merci. Merci. Alors vous l'avez compris, on chante. Quel chant? Toréador. Toréador. Alors qu'est-ce que vous êtes fort. Donc vous avez deviné mes pensées. Alors, on est dans la peau du Toréador et on le met en garde. On le met en garde puisque Carmen, cette séductrice qui séduit tous les hommes, va aussi le séduire et puis il peut être un petit peu perturbé. On va dire ça comme ça. Donc nous on le chante et on dit Toréador. À vous ça. Toréador. Très bien. Ne l'appelez pas. Toréador. Puisqu'il est devant vous. Vous êtes Toréador. On a le chanteur ou la chanteuse d'opéra que vous êtes. Votre son part de la fosse d'orchestre jusqu'au dernier balcon. Toréador. À vous ça. Toréador. Avec du R roulé. Comme on est en Espagne. Toréador, Toréador, en garde. Voilà, et ce rythme-là espagnol qu'on entend à l'orchestre, on doit aussi entendre aussi au chant. Aussi dans ma voix d'homme. Toréador. C'est très joli, mais ça fait un autre type de Toréador. Qui n'a pas la même corpulence. Mais qui peut être aussi très charmant. Attention. Nous, mesdames, on va chanter au-dessus. Toréador. On est ensemble. Messieurs, mesdames, et. En garde.
À vous. Avec les femmes, le cœur de l'Opéra de Lyon. C'est le moment de montrer votre pouvoir de séduction en faisant. L'amour est un oiseau de belle. On essaie ? L'amour est un oiseau de belle que nul ne peut apprivoiser. Mais avec la posture. Avec la posture et le regard charmeur, le regard irrésistible. Et tout le son va être pris entre vos yeux pommettes. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. L'amour, un troisième, l'amour.
Deuxième. L'amour, on séduit. Troisième. Attention! Prends garde à toi! On a fait 3 sentiments. Est-ce que vous êtes prêts, avec l'orchestre et le chœur, à nous donner ces 3 sentiments? Vous êtes prêts? J'ai pas entendu. Oui. Est-ce que vous êtes bien prêts? Oui. Alors, maestro, c'est à vous. Et rien que pour vous, cet après-midi, l'enclumiste est avec nous. Voici un petit extrait. Centaines pour le travail. Hein. L'orchestre dans la fosse, c'est pour ça que vous ne les voyez pas. Je laisse maintenant
maintenant que vous êtes bien prêt à chanter le gitan, je laisse notre maestro vous apprendre ce chant en italien. Tout à fait. Alors, c'est pas beaucoup qu'il faut chanter qu'un petit peu, alors qu'il faut jouer beaucoup. Alors, ce qu'il faut chanter, c'est le mot Chi del gitano. Chi del gitano. Ah, ah, ah. Chi del gitano. Chi del gitano. Non, c'est pas chi del gitano. C'est chi del gitano. Chi del gitano. I giorni a bella. I giorni a bella. A bella. A bella. B et son L. Appella. Appella. Ça, c'est la musique. I giorni a bella. I giorni a bella. Très bien. Le rythme, c'est chi del gitano. I giorni a bella. Chi del gitano. I giorni a bella. C'est moi. Chi del gitano. I giorni appella chi, chi, i, giornia, bella. Oh, oh, oh. Ah, ah. Oui, c'est différent la deuxième fois, c'est ça. La deuxième fois, chi, trois, quatre. Chi del gitano, i giorni, appella chi. Wow. Alors, on refait de tout début. Donc ça veut dire c'est long de combien de fois. Après, on refait. Chi, un, deux. 3, 4. Chi del gitano, i giorni a bella. Chi, i giorni a bella. Tu vois, ça serait absolument vrai sur une nuit. Et c'est la nuit. Alors, on va chanter ça, puis ça va finir. Alors, les notes ne sont pas trop difficiles non plus. Chi, voilà. Chi del gitano, i giorni a bella. Un, deux, trois, quatre. Chi del gitano, i giorni a bella. Exactement. Et en fait, Nicolas, il a chanté Chi del gitano. C'est le moment de rockstar. Chi, un, deux, trois, quatre. Chi del gitano, i giorni a bella. Chi del gitano, i giorni a bella. Chi, i giorni a bella. C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Je ne vais pas répéter, hein. Vous déchiffrez. Thank you.
cher compositeur Verdi pour un dernier chœur, extrêmement connu. Tellement connu qu'on va en faire un quiz. Seuls ceux qui auront trouvé la bonne réponse pourront passer l'audition d'entrée. C'est alors, quelques indices. C'est un chœur en italien. Il y en a pas mal. C'est un chœur qui nous parle de la liberté, de l'espoir. Chanté par des opprimés qui aimeraient bien retrouver leur liberté. On n'a pas vu. C'est un chœur extrêmement beau et. Alors, on va pas le répéter, vous allez pouvoir le chanter directement ou vous laisser bercer par la belle musique, par ce beau son de chœur, par ce beau son d'orchestre. Vous pouvez chanter sur un les voyelles que vous voulez, si possible avec les bonnes notes. Et si vraiment vous êtes très très fort, vous pouvez chanter avec les paroles. Maestro, c'est à vous.
c'était extrait de quel opéra? Nabucco. De Nabucco. Et c'était le cœur des esclaves. Je laisse la parole de fin. Bravo, bravo, bravo à tous. Vous étiez vraiment